Bonsoir à tous mes picabonnes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 6 de notre Let's Play sur Age of Empires 2 HD Edition. On va continuer la campagne avec Jeanne d'Arc. Du coup, on avait fini les deux premières missions, les deux derniers épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que ça nous avait pris deux épisodes pour deux missions. Du coup, nous allons faire le nettoyage de la Loire. Bah, la Loire, c'est pas à Nantes? Pourquoi le drapeau il est situé à Lille? Si je dis pas de conneries, la Loire c'est à Nantes. La Loire Atlantique ça s'appelle. L'Atlantique c'est à gauche. Compliqué là. J'ai le jeu. Déjà le jeu me coupe. Et le jeu nous ment. YouTube on vous ment. Objectif, deux objectifs. Détruire au moins trois châteaux britanniques et Jeanne doit survivre. Bon là, ça pue la merde comme mission. J'ai que dalle. Comment ça? Comment c'est possible? Oh, va là-bas, toi. Je sais pas si je devrais l'envoyer tout seul, je suis pas sûr. Avec ces bateaux, nous pouvons traverser la Loire et faire face à tous les navires de guerre que nous rencontrons. Faut traverser... Oh, comment ça? Ah! Ah ouais! Vas-y, détruis-le. Des navires qui se démolissent sur les autres. C'est des navires kamikazes, il y avait déjà ça à l'époque. Ah. L'Aïr veut tuer quelque chose. J'ai un soldat, il s'appelle d'ailleurs L'Aïr veut tuer quelque chose. Bon, je sais d'où tient son pseudo. Le mec qui s'appelle Capitaine L'Aïr dans Minecraft. Personne ne le connaît, mais moi je le connais, c'est un frérot. Alors. Mais du coup, on va pas construire quelque chose ici. S'ils nous disent de traverser la Loire, déjà j'envoie pas Jeanne. Au secours. Pardon. J'envoyais d'ailleurs, tiens. On va envoyer des archers. Trois archers et deux piquiers. De toute façon, on peut pas construire une ici. Sur l'épée de l'Aïr est presque sec. C'est un barbare en fait qu'on a. J'aurais peut-être dû prendre. Attendez, je vais peut-être le prendre lui du coup. Pour cavalier d'éclairage, ça peut être plus intéressant. Là-dedans, toi. Toi, tu m'explores tout ça. Ah non. Mais Jeanne, elle s'en bat les couilles, elle va combattre. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attaque pas? Ouais, détache tes troupes ici. Toi, va là-bas. Mm-hmm. On va emmener tous les bonhommes là-bas. Ça va être aussi simple. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on contrôle des Français, mais j'ai pas l'impression qu'ils parlent français à aucun moment. Bon. Faut juste espérer qu'il n'y ait pas trop de connards de l'autre côté, même si je pense qu'il doit y en avoir un petit peu. On va le laisser là, lui. Et par là, toi. Rentrez tous là-dedans. Premier qui rentre, premier servi. Ok, ils peuvent plus rentrer. Toi, tu viens par là. Tu vas déposer les troupes ici. Avancez un peu, vous. Toi, tu vas m'explorer tout ça. Ok. Enfin, bon. Trois châteaux. Les gars, trois châteaux. Enfin, un château, déjà, c'est énorme. Il va falloir un milliard d'onagres, de béliers, tout ce genre de conneries. L'enfer du game, quoi. Mais non, pas toi. Connard. Hop. Allez. À gauche, il y a quelque chose. Bon, tu me diras, on est encore au début de la carte. Ok, donc là, il y a de l'or. Ça vaudrait peut-être le coup. Faut que je vois s'il y a un peu de bouffe aussi. Après, pour la bouffe, on peut faire des fermes, c'est vrai. Mais il faut que je vois où je m'installe. Parce que de toute façon, il va bien me falloir une base à un moment ou à un autre. Moi, je pense qu'ils veulent que je m'installe ici. Il y a du bois, il y a de l'or. La bouffe, on peut la trouver nous-mêmes. Par contre, ce qui manquerait, c'est de la pierre à la rigueur. Il n'y a pas une carrière de pierre qui traîne par là, là?
Doit bien y avoir quelque chose quelque part. Boum, 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 boum. Du bois. C'est des ennemis. C'est des Britanniques, ça? Merde, j'ai pas eu le temps de voir. Attends. Bourguignon. Ah non, ok, c'est des connards de Bourguignons qui font chier. Okay. Donc on a les Bourguignons juste à côté de nous. Est-ce qu'on s'installe vraiment ici ou pas? Après, les Bourguignons sont peut-être, ont peut-être pas une énorme base non plus, mais ça veut dire qu'on est en 2v1 là? Attention, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Il y a 4... 4 joueurs en lice. Il y a des oranges aussi. Est-ce qu'ils sont gentils les oranges ou pas? Faut que je les trouve. Faut que je les trouve et je verrai parce que c'est l'armée... Comment ils appellent ça? L'armée de Fastolf. C'est le petit frère... Ouais non, j'allais faire une blague hyper antisémite, mais je le ferai pas. C'est Bourguignon. Ok, donc, les Bourguignons sont partout. C'est pas Bourguignon, ça? C'est un point violet sur la carte, là? On dirait un point rouge, non? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il est avec moi? C'est un ennemi, c'est des Britanniques. Ok, on est en 3v1. C'est encore pire que ce que je pensais. Bah, vous savez quoi? On va faire une base ici, hein. On va pas se faire chier. Hop! Qu'est-ce que je peux bien faire en priorité? Ça. J'ai que 2 villageois, j'étais sûr d'en avoir 4. Ok, c'est bien ce que je pensais. Non, arrêtez de chercher les embrouilles avec eux. Non. Tu vas me faire ça ici, toi. Et toi. Tu vas me faire un petit camp de bûcheron par là, là. Boum, boum, boum. Ça prend tellement de temps à se construire un forum. Oh fuck. Hop. Trop bien, il marche dans les murs. Non. Ne l'attaquez pas. Ouais, baisez-lui sa mère en pire. Puis on va déclencher une guerre, mais c'est pas grave, la guerre est déjà déclenchée en soi. Bois insuffisant. Ça pue la merde. Bon. Allez bûcheronnez vous deux. On va pas laisser ça par là. On va en armer. On va en amener un peu là-bas. Un peu ici. Jeanne d'Arc, on va la laisser quand même en retrait, je pense. On va peut-être amener 2 cavaliers par là, quelques archers par là. Voilà, ça peut être pas mal. On va disperser un peu les 2 troupes. Il en a à combien? 71%. J'ai 500 de bouffe. Il va falloir que je pense à faire des fermes autour. Mais pour ça, on va créer d'autres villageois. Eux, ils coupent du bois. Lui, il fait de l'or en attendant. Parce que de l'or et de la pierre. Enfin, de la pierre, par contre, je suis pas sûr qu'on puisse en trouver. À part dans un marché, on peut échanger et tout. Donc ça peut être cool. Mais je vois pas d'autre moyen de récupérer de la pierre. Ah, c'est tellement long à construire un forum. J'aurais dû en mettre plusieurs, ça serait plus vite. Parfait. Ça, c'est pas parfait. Bon, c'est le moment un peu long de... Mais du coup, c'est... Attendez, si je détruis... Quelle bande de connards! Enculé de rire! Aller les attaquer. Bah oui, forcément, bande de cons. Oh, c'est la merde de ouf. Ça commence déjà. Après, ça va, c'est que les bourguignons. Normalement, ils sont pas aussi dangereux que les... Oh, par contre, s'ils m'attaquent en continu, ça va être très chiant. Il va me falloir très vite... Il y a un nouvel éclair. Bon, ça, c'est pas très grave. What? Moi, j'ai entendu. C'est quoi, ça? Mais non! Déclencher une guerre, j'aurais jamais dû. Mais y'a tous les connards chez moi, what the fuck? Mais ouais, les chevaux, non. Les cavaliers, non, ouais, merci. Il l'a one shot. Qu'est-ce qu'ils font? Oh non, c'était par là. C'est bon là, on peut se calmer? Moi, drapeau blanc, hein. J'ai tué 15 de vos hommes, mais drapeau blanc. Piki.
qui est... Fait qu'on sorte davantage de... Oh, comment ça va, si vous en construire tellement des maisons, j'avais pas vu. Construis plus vite, toi. On peut pas aller leur mettre des coups de fouet. Encore une. Il en faut des milliards. Il a fait un vieil retour chelou. Ça se passe bien les bateaux. Bon, visiblement il m'en manque un. Hein. Je pense qu'il a dû s'exploser contre un navire ennemi qui a dû passer. Bon, j'ai l'impression d'avoir calmé un peu les esprits des bourguignons. Ça se trouve ils avaient que ça comme soldats et comme des débiles ils vont pas en reconstruire d'autres. Enfin ils vont pas en reconstruire. Ils construisent des soldats. What, mais ils sont d'où lui? What fuck? Bon, visiblement, ils ont pas décidé d'abandonner non plus. Oui, je sais, j'ai besoin d'avantage de maison. Je suis au courant. Bois insuffisant. Ah bon, c'est bizarre. Enculé de rire. J'aurais peut-être pas dû mettre un mec à l'or, en fait, directement. Ouais, ouais, ouais. Je peux pas faire d'amélioration tout de suite encore. C'est beaucoup trop tôt. Ça coûte combien une maison? 32 bois. Fais ça. Ça, ça coûte du bois aussi. Oh putain, ça coûte tellement cher. Comment est-ce qu'on peut faire? Ça va être très très long. Sachant qu'on est en 3v1 en plus, il va falloir qu'on prenne énormément de temps. J'ai pas regardé à quelle heure je partais en record. Attendez, 2 minutes. Faut que je vérifie un truc. Ah mais merde, je bug. Mais quoi? Mais baisse ta mère! Excusez-moi, hein, j'ai des problèmes avec mon téléphone. D'accord, donc j'ai commencé à record il y a 7 minutes. Okay. C'est bon, toi tu peux construire une ferme? Je sais même pas si je devrais construire une ferme parce qu'on a encore plein de bouffe et c'est pas le besoin le plus pressant. Il va juste me falloir énormément de maisons. Là, on va en mettre plein au bois. Ils ont l'air de nous laisser tranquilles pour l'instant. Ils sont vraiment super proches. Et j'ai aucune idée d'où sont les Britanniques. Et bûcheron. La meuf, quand il lui demande de couper un arbre, elle fait bûcheron. Personne fait ça dans la vie. Je peux en mettre un à la bouffe et envoyer le dernier au bois. Voilà. Et là, on va se développer tranquillement. Où est mon cavalier? Un cavalier qui surgit de la nuit. Va au bois et toi aussi va au bois. Bûcheron, il est là, mon cavalier. Il faut que j'explore un peu tout ce qu'on a par là. Bon, visiblement ici c'est de la forêt, sinon il serait passé par là. C'est ce que je pensais. On a une grosse forêt, donc ça c'est plutôt cool. En même temps le bois c'est la ressource la plus présente. En gros c'est comme une ressource quasiment infinie parce qu'il y en a quasiment partout sur la map. Et pour le comment ça s'appelle le, la nourriture c'est pareil, puisque étant donné que tu peux faire de la bouffe avec des fermes, t'es tranquille vis-à-vis de ça. Maintenant, tout c'est de savoir. Putain, le bug graphisme là. Tout c'est de savoir. Je pense que en à gauche là, sur cette partie là, en bas de la carte que je vous montre, il y a soit les oranges, soit les rouges derrière les bourguignons. Et de cette partie là, ah quoique. Parce que là, il y a des bourguignons aussi. Oh, je sais pas comment ils sont dispersés, les gars. Sachant que regardez ça, c'est le tableau des scores. Moi je suis tout en bas parce que je viens de. Eux ils sont tous à l'âge des châteaux, donc là au-dessus de moi. Ils sont quasiment à 4000 de score, moi je suis qu'à 1000. Hein. Donc après, ça veut pas dire grand chose, mais ça va quand même dire quoi. On sait bien, le bois ça avance. On va refaire des villageois. Ça va de votre côté, vous? Ouais, tranquille. Ok, ok. L'autre il colle de l'or, là il est bien. Hop. Toi tu vas faire ça. Et je vais me faire un marché. Parce que le marché, c'est hyper important. Et je pense en avoir besoin pour des ressources. Même si je suis pas sûr d'utiliser à bon escient. Parce que je vous rappelle que c'est moi qui joue, quoi. Enfin, bon, voilà. Alors, le marché.
coûte combien? 175 de bois. C'est une grosse dépense, mais une dépense nécessaire. Ok, bon, ça découpe du bois, c'est plutôt cool. On a de la marge par rapport aux habitations. Il va me falloir un dernier constructeur. Ok, ça revient, c'est quoi ça? Fantassin, épée longue. Oh, les gars, ils ont des fantassins de dernière génération. Non. Mais une génération plutôt avancée. Il fait quoi? Il va où là? Est-ce que ils se baladent juste ou ils sont juste focus sur Jeanne d'Arc? Parce qu'ils s'y dirigent grandement depuis tout à l'heure. Hein. Non, Jeanne d'Arc, tu restes pacifiste, s'il te plaît. Hop, retourne là-bas, toi. Ok, j'ai mes villageois qui sont prêts. Bûcheron. Ouais! Ah putain, ils sont trop marrants. Mais j'ai déjà un constructeur, pourquoi j'ai fait ça? Bon, tant pis. Hop, voilà. On commence à avoir une bonne... un bon rythme. Moi, je pense qu'on est pas mal. Au bout de 10 minutes de jeu, on avance quand même pas trop mal. Franchement, ça va. Je sais pas quelle est la limite de population. J'espère qu'elle est plutôt quand même balèze. On va continuer de faire des villageois parce que c'est hyper important. J'en mettrais bien un deuxième à l'or. Ça, c'est un ennemi, ça. Est-ce qu'il va attaquer Jeanne? Au secours. Qu'est-ce qu'il fait? Baisez-le! Il a pas l'air de vouloir chercher la merde en fait. Putain. Retournez à vos activités. Hop. C'est magique ce truc. Ok. Elle fait rien elle. Non, elle vient d'être créée. Pareil pour elle. Ok. Hop. Constructeur, d'accord, il fait rien. Minéor. On dirait des robots quand ils parlent. Minéor. Bon, commence à avoir un bon... il fait quoi lui? Ah, c'était mon constructeur. Mais arrêtez d'aller chercher la merde à tous les mecs qui arrivent. Allez, où Ned? On a l'air de s'amuser quand même. Moi, j'ai aucun villageois qui fait rien sauf elle. Hop. Parfait. Bon, on commence à avoir quelques ressources. C'est pas dégueu. C'est quand même le forum qui m'a bouffé plein de ressources, hein, surtout en bois. Je crois que j'avais 750 de bois au début et je suis passé direct à 250. Je crois que ça coûte très très cher un forum. Ça coûte 500, il me semble. Vérifier ça. On peut pas construire un deuxième. D'accord. Donc c'est quoi ça? Hop. Ah, va falloir que je fasse des moines aussi pour... guérir mes soldats. Bon, moi, une petite armée, tiens, ils sont assez pacifistes quand même. Heureusement, parce que sinon, on aurait souffert. Je ne suis pas cher de notre... Alors, qu'est-ce qu'on peut... On manque de bâtiments, ok, ouais. Il faut que je construise deux bâtiments de l'âge des... de l'âge féodal. Alors, une écurie, ça passe. Et je pense qu'un camp, en... camp de tir à l'arc, ça devrait passer aussi. Ok, donc lui, c'est celui de tout à l'heure. Tant qu'il m'attaque pas, je le baisse pas. Ça m'attaque par contre. Ils vont baisser mes cavaliers. Les lanciers, c'est hyper fort contre les cavaliers. On c'est pas résistant. Non. N'attaquez pas les villageois. Il y a un moyen de foutre la merde encore. J'ai l'impression de garder des gosses quoi. Alors ça coûte combien? 800 d'or. 800 de nourriture, 200 d'or. J'ai pas assez de bouffe. On va construire tout ça. Ça commence. Ça commence à remanquer de bois. Pourtant ça taffe. Hein. Alors ça coûte combien? Ah, j'ai de temps, je pense. 100 de nourriture, 500 de bois. Les villageois coupent le bois 20 fois plus rapidement. 20 fois. Mec américain, 20% plus rapidement. Bon, je vais faire ça. C'est des petites améliorations comme ça, mais ça peut servir de ouf en vrai.
Bon, les minerais d'or, j'en ai encore pour beaucoup, beaucoup. Je suis tranquille là-dessus, je pense. Il aurait fallu que je fasse un moulin aussi. Il y en a qui attaquent, qui ripostent, et les autres, ils regardent. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse un moulin, voilà. Si je te fais un moulin ici, là. Mais bon, l'amélioration a été faite. Le bois va arriver beaucoup plus rapidement maintenant. Je vais faire ça en prévision. Si jamais j'en ai besoin. Ça sert à rien de l'attaquer. Il fait pas de mal pour l'instant. Il se fait bombarder. Il en fout plus, celle-là. Toi, t'attaques pas, t'es pacifiste. Mais bande de connards! Venez par là. Ils se baladent au milieu de chez moi, quoi. Ils s'en battent les couilles, les gars. Au bout d'un moment. Montrez-moi un minimum de respect, quand même. Ils font leur vie, ils s'en battent les couilles. Va me construire ça, toi. Salut! Ils sont pacifistes, comme ça. Genre, ils font que dalle. Ils pourraient m'éclater mes bateaux. Même attaquer Jeanne d'Arc. Il faut de la bouffe encore. Et réimplanter ferme. Ouais, mais c'est chiant. Hop. Tu vas aller au bois, toi aussi. Bûcheron. Ok, je suis tranquille. Je peux faire ça. Là, j'ai deux de nourriture. Énorme. Deux de nourriture, comment ça? L'or par contre ça avance hein. Je peux limite. Voilà, faire ça. J'ai un port, bon, c'est la bonne nouvelle. On va passer, c'est l'âge des châteaux, c'est ça? Âge des châteaux, voilà. Ok. Bon, il continue d'avancer beaucoup plus rapidement que moi. Après, ça veut pas dire qu'ils ont énormément de défense non plus, les gars. Ouais, j'ai des fermes qui commencent à être un peu épuisées. C'est normal. Viens par là, toi. Là, j'ai le château. Ça avance, ça avance. Toi, qu'est-ce que tu peux me faire? Tu peux continuer de me faire des maisons, comme ça on est tranquille. Niveau populace. Parce qu'il va même falloir un moment que je fasse une énorme armée avec des onagres et tout. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, surtout je ne sais pas où sont les châteaux. Il est possible que certaines missions, d'ailleurs c'est même sûr, certaines missions vont être tellement longues qu'il va falloir peut-être, enfin il va falloir deux épisodes minimum, voire trois épisodes pour les finir. Passer à l'âge inférieur. Comment ça? Oh, ça va être tellement compliqué. Ok, donc il y en a un, il est à l'âge, dernier âge. Au moins je sais qu'on peut y aller. Faire ça. Commencer à faire quelques améliorations. Là, on peut rien faire aussi. Il faut attendre l'âge des châteaux. Parfait. On peut améliorer ça. On peut faire d'autres petites améliorations. Je peux pas passer à l'âge impérial. Ça va être relativement compliqué. Je ne sais pas comment je vais gagner cette mission. Mais je vais en chier, ça c'est sûr. Je peux pas améliorer mes soldats. Enfin, plus que ça. Or, insuffisant. Ah, je commence à douiller. Bon, c'est bon, ils l'ont tué enfin. Parfait. Il nous est chier à passer au milieu. Bon. Comment est-ce qu'on va faire du coup? Toi, tu peux construire quoi? Château. 488 de pierre, j'ai 50. Dommage. Je ne peux même pas construire d'onagre. Si, il faut un autre truc d'abord. Je crois qu'il faut un monastère. Pire, on en aura besoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut construire? On peut construire... Non, c'est une université qu'il nous faut. J'ai peur de construire en fait des bâtiments par là parce que c'est pas protégé ici. Il faudrait des tours aussi, des tours de garde. Et les tours, ça coûte de la pierre, c'est ça?
coûte de la pierre. Le marché va m'être utile. Minéor. Minéor. Ok, donc c'était une université qu'il nous fallait. Bon, il va l'aider à le construire. Parfait. On commence à avoir quelques ressources. Hop, tu fais ça toi. Parfait, et là on peut construire? On peut pas. On peut pas construire de nagra, ça va être trop la merde. Je sais pas comment je vais me débrouiller. Faire une forge, hein. Parce que casser, je peux faire, je sais même pas s'il y a des trébuchets dans le château qui sont disponibles. Ok, bon, il s'en va un cavalier, il va crever en 2-2. Ah bah là, frérot, tu t'es mis au plein milieu, quoi. Genre. T'as sali ma ferme, connard. Je vais couper du bois, toi aussi. Je vais être obligé d'échanger des ressources pour faire des châteaux. 488 de pierre. Contre de l'or. Je peux toujours pas. Si, c'était une forge qu'il me fallait. Ok, bon, c'est bon. Ça risque d'être un peu moins compliqué quand même que ce que je pensais. Donc ça va. Ça me paraissait un peu trop abusé du fait qu'on puisse pas... qu'on ne puisse pas comment faire... Donagre de comment ça s'appelle? Atelier de siège. Ça me paraissait un peu abusé. Bon. Peut-être pas besoin d'un château du coup. Après... ça coûte combien? 75 de bois. Putain, mais je manque encore de bois quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? On peut faire des trucs de base. Hein. Des mangonneaux, des béliers, des scorpions. Ça va être la misère. What? Où ça? Ah, mon port! C'est si grave que ça? En soi... ça coûte ultra cher de faire des messes d'amélioration. Niveau bouffe, je suis bien, mais bon, tant pis, au pire, il peut tirer la flèche sur mon port, il m'enlève un HP par un HP. Non, 6 HP par 6 HP quand même. Eh, va le réparer, toi. Eh, si ça me coûte du bois, par contre, ça va m'énerver. Ça coûte du bois. Bon, vous irez par le, ça va le faire chier comme ça. A plus. Où ça? Comment ça? Où ça? Ah, ils ont décidé de m'attaquer. Ok. Bon, ils vont les tuer, mais... s'ils ont décidé de m'attaquer... Bon, oh, t'es chiant, toi. Tu fais chier tout le monde. Ils ont décidé de m'attaquer comme ça, là. Je suis pas sûr. Que ça soit une bonne nouvelle. Oh, ça va être la merde. Mais putain, quelle bande de connards. Ils sont tous allés là. Y'a plus personne qui couvre de l'autre côté. Mais on s'en fout, c'est juste un soldat. Je les hais. Si fort. Hop. Voilà, tu vas couper du bois. On va mettre encore plus au bois. Lui, il s'amuse. Tu construis ça. Bûcheron. Hop, 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 hop. J'en suis à combien de temps de record? C'est bon, ils ont misé. Ah non, ça je suis pas d'accord ça. Ok, donc les bourguignons ont décidé d'attaquer. C'est la merde. Ah non. Ok, c'est bon, ils l'ont baisé. Ils m'ont baisé un cavalier. Un cavalier qui surgit de la nuit. Bon, il se barre. Tu
reviennent. Mais non. Mais... je les hais. Je les hais tellement fort. Meurs toi. Mais bande de connards, aidez-le. Il l'a regardé faire. Ah, j'ai un cavalier qui va mourir. Bon, il est temps de... mon armée commence à se faire décimer de ce côté-là, là. On va ramener un peu de troupes, quand même. J'ai plein de bois, plein de bouffe, mais ça s'épuise très rapidement, donc... j'ai pas beaucoup d'or non plus. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tour de garde, meurtrière... De toute façon, les tours de garde, je peux pas en faire, donc... qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a une ferme qui est abandonnée. Ah ouais. J'ai une ferme qui... oh ouais. Hop. Ok. J'avais pas vu que j'avais une ferme qui... il y avait personne. Toi, tu vas t'en occuper. Bon, lui, il s'amuse toujours, là. Tant pis, hein. Pas ultra dérangeant. On va améliorer ça, on va améliorer ça, on va améliorer. Cavalerie se dépasse 10% plus rapidement, ouais. Ça me paraît important. 162 bois, 135 d'or ça coûte. Hein. Du coup j'étais parti pour regarder. 30 minutes que j'ai record. Non pas du tout. 26 minutes. 26 minutes que je record, dans 4 minutes à peu près on se dit qu'on va stopper le record et qu'on reprendra dans le prochain épisode. Je sens que cette mission va être très très longue. Mais une fois que j'aurai fini mes améliorations, tout ça, que je pourrai enfin faire des mangonos, tout ça, ce sera bon. Voilà, donc là j'ai fait toutes les améliorations possibles dans les... ça je m'occuperai de ça plus tard. J'ai fait des béliers, je me suis trompé. Je vais faire des mangonos. Oh, insuffisant. Ouais, vous voyez, ça va être la merde. Ça va être la merde de merde de merde de merde de merde. Je vais être obligé de vendre de la bouffe carrément, quoi. Je suis en train d'attaquer. Ils ont attaqué les... oh. C'est la merde! Bon, ça va, heureusement qu'ils... il est one shot là, il y a un genre no fake. Il leur fait trop trop mal. Mais attends, je peux faire ça moi aussi. Faut que j'en fasse, absolument. En vrai, je sais pas, j'ai pas envie d'attaquer les bourguignons directement. Mais non, mais arrêtez de les attaquer, c'est bon. J'ai pas envie d'attaquer les Britanniques directement plutôt, j'ai envie d'attaquer les Bourguignons parce qu'ils me font bien chier quand même depuis tout à l'heure. Les autres sont plutôt pacifistes, hein. En vrai. L'armée de Bélier, c'est étrange, il a dit. Pourquoi il a dit ça? Oh, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. J'ai plus d'or. Mon armée se fait enculer. L'enfer. Je suis en train de me faire enculer de ouf. J'ai fait une armée de béliers. Peut-être parce que je compte passer à l'attaque bientôt. Connard. What? Je pense que cette paysanne devrait retourner garder ses moutons. Mais pourquoi y'en a un, il parle là? Nous allons voir comment vos chevaliers s'en sortent contre les archers britanniques. Et il a pété un câble lui ou quoi là? Il y a un fermier qui fait rien là. On va prendre de l'or. Il y a un mec qui parle tout seul depuis tout à l'heure. Bon, on va cesser là-dessus pour ce 6e épisode. Je vous dis à la prochaine dans le 7e épisode. Je coupe la mission en plein milieu. Je suis désolé de faire ça, mais c'est beaucoup trop long.
Non, 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 pas mes mangono, ni mes béliers. Baisez-le. Très vite. Bien, merci. Bon, prochain épisode, on attaque les bourguignons. Plus ces gens et portez-vous bien. We'll be right back.